Bonjour les enfants. Bonjour Michel. Eh bien dites-moi, vous avez l'air bien occupé. Oh, bonjour Michel. Brune fait la tête, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est pas contente, parce qu'il n'y a plus que des légumes pour la recette d'aujourd'hui. Oh, ce n'est pas grave, j'en ai justement une, que avec des légumes. Une salade. Je sais, une soupe. Non, mieux que ça, une ratatouille. Voyons si vous avez tout ce qu'il faut. Un kilo de tomates bien mûres, un kilo d'aubergines, un kilo de courgettes, deux poivrons verts, deux gros oignons, quatre gousses d'ail, un bouquet de basilic, du thym en poudre, de l'huile d'olive, le sucre en poudre, sel et poivre. Allez, c'est parti! Nous allons commencer par laver les légumes. C'est moi qui le fais! Attends, Bob. Seuls ceux qu'on n'épluchera pas ont besoin d'être lavés. Les courgettes, les tomates, les poivrons et le basilic. Ah, toujours toi, je fais jamais rien. On va couper les courgettes en rondelles un peu épaisses en prenant soin d'enlever les bouts. Les oignons maintenant. Je vous recommande de les peler sous l'eau pour que ça ne vous pique pas les yeux. On les coupe en deux, puis en tranches fines. Et enfin, les poivrons. On enlève les pédoncules. Ce sont les queues qui rattachent les poivrons à la plante. Puis, on les coupe en deux dans le sens de la longueur, on retire les graines, on les coupe en lamelles et on les met avec les oignons. On va pouvoir commencer la cuisson. Cette grande poêle est parfaite. Il me faut 10 centilitres d'huile d'olive. On va d'abord cuire les courgettes. Mais je croyais que dans une ratatouille, tous les légumes cuisaient ensemble. Ah, justement. C'est ça, mon secret. Je fais dorer dans l'huile d'olive tous les légumes séparément pour qu'ils gardent tout leur goût. On va donc faire revenir les courgettes 8 minutes. Et pendant ce temps, on va peler les aubergines. Brune, est-ce que tu peux les couper en deux dans la longueur et chaque moitié encore en deux pour obtenir 4 bâtonnets? Bob, je te laisse le soin de couper chaque bâtonnet en tronçon d'un centimètre et demi. Michel, les courgettes sont déjà toutes dorées. Attention les enfants, il ne faut pas s'approcher trop près de la poêle. Maintenant, on égoutte les courgettes dans une passoire au fond de l'évier. Je voudrais encore 10 centilitres d'huile d'olive, s'il vous plaît. Dès que l'huile est très chaude, on ajoute les morceaux d'aubergine que l'on remue avec la cuillère en bois pour les faire dorer. En attendant, on va éplucher l'ail. Tenez, deux gousses chacun, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Burk, ça sent drôlement fort, ce truc. Regardez à l'intérieur. Oh, un petit cœur tout vert. Regarde, on dirait qu'il bat encore. Ça s'appelle le germe. Et si on le retire, ça permet de mieux digérer l'ail. Michel, les aubergines sont toutes dorées. On va les mettre à égoutter avec les courgettes. Il va falloir préchauffer le four à 150 degrés. Prune, tu saurais le faire? Oui, bien sûr. C'est sur le 5 au thermostat. Très bien, on peut passer à la deuxième partie de la cuisson. Voici la cocotte. Où est mon fournisseur d'huile? Le voilà. On va verser 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, on attend qu'elle chauffe, on baisse le feu avant d'ajouter les oignons et les poivrons en lamelles, puis on laisse suer 5 minutes en mélangeant de temps en temps. Voilà, on laisse cuire doucement et on va s'occuper des tomates. Et bien sûr, on commence par retirer les pédoncules. Je connais, ce sont les queues, Michel. Évidemment, il l'a dit tout à l'heure. Et puis, on va les couper en deux dans le sens de l'épaisseur. Pressez chaque moitié entre les doigts pour éliminer le jus et les pépins. Dès que vous aurez fini, je vais les couper en gros morceaux. Brune, est-ce que tu peux me donner l'ail haché, s'il te plaît? On ajoute l'ail, on mélange, toujours avec la cuillère en bois, et on monte le feu. On ajoute les tomates. Et devinez quoi d'autre? Une cuillère à café de sucre en poudre. Du sucre? C'est pas un gâteau. Mais pourquoi, Michel? Justement, c'est mon deuxième secret. Le sucre fait ressortir le goût des légumes et supprime l'acidité des tomates. Puis, on mélange bien et on porte à ébullition. Là, on va ajouter les courgettes et les aubergines.
2 cuillères à café de sel et du poivre. On mélange bien le tout. On couvre la cocotte. Et attention, il ne faut pas oublier les gants. Et voilà, ça va cuire pendant 2 heures. 2 heures? Super, on va pouvoir aller jouer dehors. Montrez-moi vos petites mains tous les deux. Oh, je crois qu'elles ont besoin de passer sous l'eau. Nous allons pouvoir sortir la cocotte du four. Toujours avec les gants. On enlève le couvercle. Oh, les légumes sont complètement écrabouillés. Oui, on peut le dire comme ça. Bon, qui veut ajouter le basilic? Moi, moi! Alors, Prune, il te reste à y ajouter le thym en poudre. Ça sent bon. On mélange, on va refermer la cocotte et la remettre au four encore 1 heure. Encore 1 heure? Ça va faire 3 heures en tout. Ben dis donc, faut pas être pressé pour faire une ratatouille. C'est sûr, mais d'un autre côté, elle se déguste aussi bien chaude que froide. On ne cuisine qu'une seule fois pour 2 repas. Chouette, on va pouvoir finir notre cabane. Tu viens, Bob? Est-ce que vos mains sentent le savon? Ouais! Alors, Prune, tu veux bien nous rappeler une dernière fois quels sont les 2 secrets pour réussir une bonne ratatouille? Il faut faire dorer tous les légumes séparément, les uns après les autres. Comme ça, ils gardent tout leur goût. Et on ajoute une cuillère à café de sucre en même temps que les tomates. Pour enlever l'acidité des tomates. Et faire ressortir le goût des légumes. Parfait, les enfants. Vous êtes prêts? Prêt, chef. 3, 2, 1, bon appétit. Bonjour les enfants. Oh, bonjour Michel, qu'est-ce que tu as sur la tête? T'as perdu ta toque blanche? Je l'ai troquée pour une autre toque aux couleurs lyonnaises. Et oui, nous allons faire une spécialité de Lyon, le gratin de macaroni. Des maca quoi? Macaroni. Des pâtes. J'adore les pâtes. Vive l'Italie. Je ne voudrais pas te décevoir, Bob, mais ce n'est pas un plat italien, c'est un plat lyonnais. Et pour faire un gratin de macaroni, il nous faut... un paquet de 250 grammes de macaroni. Oui, une tranche de jambon blanc d'1,5 cm d'épaisseur, 200 g de fromage râpé, 40 cl de lait, 3 cuillères à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de chapelure, 1 cuillère à soupe de gros sel, 1 cuillère à soupe d'huile, du sel, du poivre et de la muscade. Tout est sur la table. Par quoi on commence, chef? Par la béchamel. C'est une sauce blanche, veloutée et onctueuse. Les enfants, vous voulez bien remplir une cocotte d'eau et me la porter, s'il vous plaît? On va faire chauffer l'eau pour cuire les macaronis. Oh, j'allais oublier, il faut ajouter une cuillère de gros sel dans l'eau. Je le fais. Très bien. La sauce béchamel maintenant. On pose une casserole sur feu doux et on met 2 cuillères à soupe de beurre. D'accord. 1, 2... Et 2 cuillères à soupe de farine. 1, 2... Bien, on mélange avec un fouet et on va laisser cuire doucement 3 minutes en faisant attention que le mélange reste bien blanc et bien mousseux. Prune, tu veux bien couper la tranche de jambon en bâtonnets? Des morceaux assez gros. Compris. Au bout de 3 minutes, on ajoute 40 cl de lait. Et attention, voilà mon secret. Pour réussir la sauce béchamel, il faut verser le lait froid sur un mélange beurre-farine chaud. Cela évite les grumeaux. Prune, c'est bon pour le lait. J'arrive, chef. Et on ajoute 1 cuillère à café de sel fin. 1 pincée de poivre. Un peu de muscade. On augmente le feu sur feu moyen. On remue jusqu'à l'ébullition pendant 4 minutes pour que la sauce épaississe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regarde, Bob. Oh,
Ça devient de la crème. Exactement. On vient de fabriquer en quelques tours de fouet une superbe sauce béchamel. C'est bon. Et ce n'est que le début. Maintenant, on va préparer le reste. Tu viens? C'est parfait, Prune. Bob, ouvre les deux sachets de 100 g de gruyère râpée. Et verse un paquet et demi dans le saladier. Les 50 g qui restent dans la moitié du paquet, c'est pour Prune. Oh, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Petit curieux, tu vas voir. Prune, tu veux bien mélanger 50 g de gruyère à la chapelure? C'est quoi la chapelure? C'est des bouts de pain microscopiques. Disons que c'est du pain sec ou de la biscotte émiettée. Oh. On va couvrir les macaronis avec le mélange fromage râpé chapelure pour les faire gratiner. T'exagères, Prune, t'as pas le droit. C'est pour les macaronis. Ah, l'eau bout. On n'oublie pas d'ajouter une cuillère à soupe d'huile. C'est fait. Alors, on peut verser 250 g de macaroni dans l'eau bouillante. 500 g. Alors, pour en avoir 250, il faut que je mette... La moitié du paquet, évidemment. 250 g plus 250 g égale 500 g. Jusqu'ici, tout va bien. Dis-moi, Prune, quel temps de cuisson est indiqué sur le paquet? 8 minutes. Donc, on laisse cuire les macaronis 8 minutes dans l'eau bouillante. Allez, plus vite, plus vite! Les pâtes sont cuites! Doucement, les enfants, ne touchez à rien, j'arrive. N'oubliez pas les gants! On va égoutter les pâtes. Vous voulez bien m'apporter le saladier, les enfants? Comme ça, je ne ferai pas tomber de gouttes par terre. Je peux verser la béchamel? Vas-y, c'est juste le bon moment. Maintenant, on rajoute le jambon. Je le fais, Michel. Le fromage râpé. Et il n'y a plus qu'à bien mélanger. C'est moi qui le fais, d'accord? Oh oui, c'est le travail du chef mélangeur. Montre-nous tes talents. Prune, fais voir tes mains. Parfait, tu vas prendre un peu de beurre avec les doigts et l'étaler sur tout l'intérieur du plat. C'est bien comme ça? Très bien. Maintenant, tu peux verser le contenu du saladier dans le plat. Prune, toi, tu vas saupoudrer les macaronis avec le mélange fromage râpé chapelure, d'accord? Rien que de le voir, ça me donne faim. Ça tombe très bien. Il n'y a plus que 8 minutes d'attente. Juste le temps de bien faire gratiner le plat et le tour est joué. Oh, encore 8 minutes. C'est super long. En attendant, Michel, on peut peut-être rappeler ton secret pour réussir une sauce béchamel. Oui, bonne idée, Bob. Alors, le secret pour réussir une béchamel, c'est que le lait doit être bien froid quand on le verse sur le mélange beurre-farine. Comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Alors, comment vous trouvez? Délicieux. Nous aussi, on a une surprise. Oh, merci les enfants, c'est vraiment adorable.